y a eu du propre de fait. Je vous ai pas filmé parce qu'on l'a fait en plusieurs jours. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de bazar, mais ça y est, c'est tout propre, tout vide. On va pouvoir mettre le TMS. C'est parti. On a posé la première plaque ici. Là, on avait mis de l'étanchéifiant. C'était pour être sûr parce qu'il y avait une petite fissure. Donc voilà, c'était pour qu'on soit pas embêté avec des remontées d'humidité ou autre. On en a passé aussi sur les contours et bas de mur ici, vous savez, fissurés. Comme ça, on est sûr en fait. C'était vraiment par prévention plutôt pour pas qu'il y ait trop d'humidité qui remonte. Mais je pense que c'était parce que quand on avait ouvert la toiture, il avait beaucoup, beaucoup plu sur cette dalle. Elle avait bien pris l'eau. Ici, c'est des taches de moisissure qu'on a un peu frottées à la javel, etc. Mais ça part très bien. Enfin, on est sûr que c'est de la moisissure qui s'est fait avec le lino. Il y avait un lino partout ici. Et avec la pluie, le soleil, etc., il y a eu du coup des champignons qui sont apparus, mais on a tout lessivé à la javel. Donc je vais essayer de vous faire un time-lapse quand on sera bien parti. Là, c'est un peu compliqué avec les découpes. On découpe avec la scie alligator de chez DeWalt qu'on a déjà utilisée pour la laine de bois. C'est une scie à isolant basique. Et puis voilà, on a tout ça à poser. C'est parti! Toilette, c'est l'heure de l'enlever puisqu'on va finir de couler ici pour pouvoir continuer la fin du TMS. Ici, on est venu couler pour bien refaire à plat et pouvoir installer le TMS qui soit bien à plat. Donc, il nous reste encore à couler cette petite partie-là. On a gardé au maximum la salle de bain et le toilette, mais l'autre a été installé. Donc, au niveau du toilette, on est bon, mais la douche. Tant pis, on fera avec les moyens du bord. Sitting in the basement apartment I rented with you. Allez, c'est parti, on pose la dernière. Trop bien. Et après, on attaque le plancher chauffant électrique. Parce que, entre-temps, on a encore changé 36 fois d'avis. Je pense que maintenant, vous avez l'habitude. En fait, quand le professionnel pour la chape est venu, il nous a dit que c'était vraiment dommage de ne pas profiter de couler une chape et de ne pas intégrer un plancher chauffant. Du coup, on a beaucoup réfléchi et on a acheté ce qu'il fallait pour un plancher chauffant électrique, parce que un plancher chauffant hydro, clairement, on n'avait pas le temps de l'installer. C'était un peu plus compliqué. Et là, donc, on a pris de la marque Thermor. Jordan a pris le kit complet pour à peu près 30 mètres carrés à peine. Donc, nous, ça pourra correspondre à peu près à cette pièce, sachant que là, on aura un poêle. Donc là, c'est pareil, on est en grosse interrogation pour le poêle. Est-ce qu'on prend un poêle mixte, comme c'était prévu à la base, granulé et bois, sachant qu'il coûte très très cher et qu'on n'aura plus le budget pour prendre le Rika, celui qu'on voulait à la base. Est-ce qu'on prend qu'un bois, sachant qu'on a du bois d'avance, ou est-ce qu'on prend qu'un pellet? Vraiment, si vous avez une expérience dans les poêles à granulés à bois mixte, sachant que là on a un plancher chauffant électrique, voilà, si vraiment vous avez des connaissances là-dessus ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, ça nous sera grandement utile.
De ce côté-là, ça sera plus pratique. Donc, je vais m'attaquer. Donc, déjà, je vais passer un bon coup d'aspirateur partout, tout bien gratter les petites aspérités, etc. Et ben, on va attaquer après le carrelage. Mais avant le carrelage, il y a beaucoup d'étapes pour étanchéifier toute cette partie. Donc, toute la partie qui est encore en plaque ouverte, c'est celle qui sera carrelée. Le reste, on peindra. Pour rappel, hop, vous avez ici la partie vasque, ici un meuble colonne, et le reste sera tout peint. Donc là, je vais mettre la première couche, ça va être l'accrocheur qui viendra ensuite permettre de poser la natte de désolidarisation. Et après, on posera l'étanchéifiant, et puis après, on pourra poser le carrelage. Mais tout ça, on respectera des temps de séchage, on fera une couche par jour, comme ça aura bien le temps de sécher, il n'y aura pas de Moi, soucis. J'ai fini de passer l'accrosol partout, enfin l'accroche pour pouvoir mettre la natte et etc. Donc j'en ai passé partout sur la douche, partout au sol. Et là je vais pouvoir mettre la natte. Mais avant, je veux vous montrer du coup ce qu'on a utilisé comme produit. Donc on a utilisé l'accrosol AG de la marque PRB. Donc voilà à peu près le produit qu'on a utilisé. C'est très très liquide. Je m'attendais pas à ce que ce soit si liquide. On croirait de l'eau. Et par contre, ça sèche relativement vite. Ils préconisent d'attendre un peu 4 heures avant de poser quoi que ce soit dessus. Moi, là, ce que je vais faire pour attendre Jordan, parce qu'il faut faire le mélange, etc., je vais la couper aux bonnes dimensions, enfin, la préinstaller, on va dire. Et comme ça, on n'aura plus qu'à la couler quand Jordan sera dispo. Allez, ça y est, on a collé toute la natte, donc avec la colle à carrelage de la marque PRB. On est trop fiers de nous, on a fait pile poil le bon dosage. Donc on est remonté bien de 10 cm sur les côtés, là où il y aura la douche et où ça sera carrelé sur les murs. On a croisé aussi les bandes de 10 cm pour être sûr que ça soit bien étanche et que le carrelage ne bouge pas avec le plancher OSB. Que vous dire d'autre? Donc j'avais fait des marques un peu partout pour que ça soit plus facile pour les poser. Donc j'avais tracé en fait mes bandes de 10 cm sur la natte. J'avais tracé mes bandes aussi comme ça. Bon après, avec le joint, ça cachait mes traits. Mais en tout cas, ça donnait une idée. Donc ça nous a pas mal aidé. Prochaine étape, c'est de faire les deux verticales là-bas. Et puis après, on pourra poser le receveur. J'ai trop hâte. Donc, on est le lendemain pour nous. Les bandes ont fini de sécher, tout est bien sec. J'ai bien repassé un coup d'aspi partout pour enlever les petits catons de colle à carrelage. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape avant d'installer le receveur. L'étanchéité, donc nous, c'est toujours de chez la marque, de chez PRB. C'est du monocel, ce qui permet vraiment d'offrir une étanchéité parfaite pour la douche. Limite, on pourrait prendre notre douche après sans poser le carrelage. Et après, voilà, on mettra le receveur. Donc, je prends avec une spatule un peu en caoutchouc. Je mets sur mon bout de ma spatule et je viens bien écraser dans le joint pour faire rentrer le joint. Et après, je viens bien en biais, racler mon joint pour éviter d'en laisser trop et puis de le faire bien propre. Comme ça, le joint, il se remplit bien.
ça commence à devenir un peu de la poudre quand on frotte, on vient avec l'éponge et on va faire des mouvements comme ça circulaires pour façonner le joint. Et on rince pas l'éponge entre temps, parce que sinon ça va venir creuser le joint. Donc on frotte comme ça, bien en mouvement circulaire. Allez, petite pause, je vous montre un petit peu les avancées. Donc, on a pas mal fait les cloisons au niveau de la salle de bain. Donc là, on se rend vraiment mieux compte. On a installé aussi tout bâti du toilette, qui sera donc dans la salle de bain en haut. Donc, on a plaqué le fond. Là, on mettra une tablette. Il faut qu'on vienne plaquer le devant. Donc, le toilette sera là, laissé avec l'aspirateur pour se rendre compte. Donc, pile poil, on aura la vue. Très important. Et après, juste là, à côté, on va faire une étagère, en fait, comme ça, à côté du toilette. Et puis là, c'est la cloison de la douche. Donc, les espaces sont en train de se dessiner. Là, on voit bien, Jordan est en train de faire la plomberie. Et voilà, après, le meuble vasque, on va le faire en ciporex, des blocs qu'on va venir assembler, et on fera du coup une vasque encastrée dedans, qu'on viendra faire nous-mêmes dans le bloc ciporex. Donc je vous explique, c'est moi qui ai décidé d'avoir des arrondis, donc c'était moi qui était de corvée de faire du coup les petits morceaux de placo pour pouvoir ensuite bien finir la cloison tout simplement. Donc j'ai essayé plusieurs techniques que j'avais vues sur les réseaux en me disant trop fastoche, au final pas du tout. Regardez comment j'ai galéré tous mes essais. En fait j'avais vu à la base où on vient faire des coups de cutter en fait dedans comme ça, et on vient casser le placo. Donc ça, c'est bon pour les arrondis dans ce sens, quoi. Comme ça. Ou alors, quand on veut plaquer une niche ou autre, ben du coup, c'est bon. Sauf que là, pour faire des arrondis dans l'autre sens, eh ben, c'est hyper compliqué, parce que là, il aurait fallu tout reboucher au map. Si on aurait fait dans ce sens-là, ça aurait été vraiment pas joli. Donc on a essayé ensuite à la scie circulaire de faire des entailles comme ça, sauf que d'une on les a pas fait assez profondes, et de deux l'espace ici est trop petit quand on vient du coup l'arrondir, et ben en fait les deux bords se touchent directement. Donc c'était pas bon non plus. Ensuite j'ai essayé de faire la technique pour mouiller. Et en fait, à chaque fois, ça s'arrache. Il faut être hyper patient. Il y a les petits à petit. Sur des petits morceaux comme ça, ça s'arrache direct. Sur des grandes plaques, pour faire vraiment des murs arrondis, je pense que c'est bien. Mais sur des petites plaques comme ça, c'est juste pas la peine. Et ensuite, ce qui a été concluant, ça a été de faire des entailles à la défonceuse. Donc, où vraiment il y a cette forme là, et on a été quasi sur la totalité de l'épaisseur du placo, et où vraiment on a fait cette forme là en pic. Comme ça on peut vraiment venir du coup l'arrondir comme on veut. Vous voyez, voilà, comme ça c'est bien propre. Et après de toute façon voilà, il faudra jouer du map pour faire un joli arrondi. Mais globalement voilà, ça fonctionne avec avec la défonceuse, ça fait extrêmement de poussière. Faites pas comme moi, vous trompez pas. Normalement, on fait les entailles côté couleur marron, quoi, carton, pour avoir bien le bon côté en haut. Là, vous voyez, je me suis trompée. J'aurais dû faire du côté carton. Mais voilà, c'est fait pour les deux arrondis et pour la niche qu'on aura, pour l'arche qu'on veut faire en bas. Ça sera nickel parce qu'on sera dans le bon sens, on sera comme ça. Avec les entailles au cutter, ça ira bien.
Donc là, Jordan est en train de raccorder la VMC qu'on a mis là-bas dans le petit recoin. Et on a isolé un peu cette partie-là. Il va falloir que je vienne mettre du pare-vapeur partout. Mais ça donne une autre allure du coup à la cuisine. Petit à petit, voilà, les murs disparaissent, enfin les anciens murs disparaissent. On va s'attaquer au dernier mur de la cuisine dont on ne s'est pas encore occupé, à savoir celui-là qui est vraiment dégueu, parce qu'il y avait un poêle ici auparavant. Et donc du coup, il y a tout le conduit de cheminée qui avait été cimenté, etc. Donc on va monter notre cloison, sauf que... voilà, j'espère que vous m'entendez. Donc on est obligé de tailler la pierre là pour pouvoir faire passer le placo parce que on a juste une pierre qui dépasse. Regardez, je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. On a fini de plaquer ici, donc il restera à faire les deux côtés des poteaux et puis ensuite à faire l'arche. Donc voilà la cuisine. Écoutez, reste à plaquer ici et puis après on sera pas mal du tout. Il nous restera la finition de la poutre là qu'on veut pas laisser en bois, qu'on veut recouvrir de placo pour faire propre. Il y a déjà assez de bois comme ça. Et puis, hop, je vous filme un peu de plus près ces petites beautés là, où je pourrais mettre un petit peu de déco et ça se verra d'en bas. Et Jordan veut mettre un petit bandeau LED là sur les trois pour éclairer dedans. Je pense que ça sera super sympa. Il faut aussi qu'on finisse de plaquer un peu tout le mur ici. Et puis la verrière, c'est pareil, ça ne viendra que par la suite. Il faudrait aussi, mais ça c'est un boulot monstre, qu'on finisse de poncer tout le plafond et de poncer bien propre les poutres. En fait, Jordan, lui, ça lui convient, mais moi je trouve que ça fait un peu sale. En fait, je vais essayer, voilà. En fait, on n'avait pas à scotcher les poutres pour le ratissage, etc. Et du coup, vous voyez, ça fait pas hyper net. Alors, Jordan, ça le dérange pas. Moi, ça me dérange un peu. Donc, à voir si on essaye de les récupérer nickel. Mais ça va prendre un temps fou. Et puis, en hauteur comme ça. Mais c'est une galère pas possible, quoi. Donc, écoutez, on va avancer là-dessus. On a aussi fini d'installer toute la VMC qui fonctionne à merveille. Donc, ça, c'est impeccable. Hop, j'allumais la lumière, on verra mieux. On a fini aussi quasi de plaquer toute la mezzanine. Donc franchement, ça impec. On a plaqué aussi, on a quasi fini de plaquer toutes les petites fenêtres qu'on a changées. Ça c'est franchement mais une galère à faire, c'est hyper long. Donc voilà, on a fait celle-ci. On a fini celle de la salle de la chambre. Au niveau de la chambre, il nous reste à plaquer les plafonds, mais ça c'est pas grave, on pourra le faire un peu plus tard. Le but c'est de finir en fait cette partie là pour installer le receveur et pouvoir tester l'évacuation qui donne dans la chambre du dessous. C'est surtout ça en fait qu'il faut qu'on s'active. Donc là, Jordan a commencé tous les réseaux d'eau à sertir, etc. Mais on est vraiment pas mal, on avance bien. Ici, est-ce qu'on va bien voir? Ici, il nous reste à finir de plaquer cette fenêtre. On a fini de plaquer le toilette. Hop, le toilette, désolé. C'est une catastrophe au niveau de la qualité parce qu'il fait assez sombre. Donc on finit cette vidéo par un petit face caméra. Parce que, en fait, toutes les images que vous venez de voir, pour nous, c'était il y a plusieurs mois. Les dernières images de cette vidéo ont été filmées en juin. Donc, autant vous dire que depuis, il y a eu beaucoup de changements à la maison. C'est vrai qu'avec l'été, Jordan est parti pour le travail plusieurs semaines en déplacement. Donc, du coup, on a
peu avancé à la maison, on a perdu l'habitude de filmer. Après, ça a été vraiment une course contre la montre avant son départ, du coup, pour certaines avancées, voilà, qu'on voulait absolument finir. Et puis, depuis qu'il est rentré, on a bien avancé, on charbonne dur. Et c'est vrai qu'on pense pas toujours à filmer, on a perdu l'habitude. Et puis, on veut faire vite. Il y a des choses qui sont pas simple à filmer, notamment le carrelage qu'on a fait dans la salle de bain, des choses comme ça. Donc, la prochaine vidéo qui sort normalement, et je vais tout faire pour qu'on se fasse pardonner de toute cette absence, qui sortira la semaine prochaine, vendredi prochain. On va essayer de repartir, pas sur un rythme de vidéo toutes les semaines parce que c'est vraiment trop compliqué, mais voilà, d'être quand même un peu plus présent parce que là, ça fait une éternité que vous n'avez pas eu de nos nouvelles et on vous remercie d'être revenu vers nous sur d'autres vidéos ou même sur d'autres réseaux sociaux pour avoir pris des nouvelles et de nous demander quand est-ce que sort la prochaine vidéo. Donc et ben on voit qu'en fait mine de rien on est bien suivi et que bah, nos vidéos vous plaisent. Donc un énorme merci de nous motiver à reprendre un petit peu les vidéos parce que ça nous fait à nous aussi de sacrés souvenirs. On n'oublie pas pourquoi on a monté cette chaîne à la base. C'est dans un premier temps pour nous créer des souvenirs et partager à nos proches et à vous notre aventure. Voilà. Donc prochaine vidéo, je disais donc, je pense semaine prochaine, ça va être de vous montrer en fait, en réalité, où on en est vraiment dans la maison, vous montrer les pièces qu'on a plus ou moins terminées, parce qu'il y a quelques pièces de quasi terminées. Donc voilà, et voir, vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est, les prochaines grosses étapes des travaux, et surtout de l'aménagement parce que voilà, travaux maintenant on n'est plus dans les très gros travaux, on est vraiment dans l'agencement, l'aménagement. Donc c'est hyper chouette, on est trop content. Voilà. On espère quand même que cette vidéo vous a plu et on vous fait plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao!